Jamila Belkacem, l'empoisonneuse. Les journalistes l'avaient aussi appelée la menthe religieuse, tant elle ressemble à cet insecte qui, après avoir tué son partenaire, le dévore. Jamila Belkacem n'a pas dévoré son amant et son mari, mais elle a tué le premier et est accusée d'avoir commandité l'assassinat du second. Et à chaque fois, elle a utilisé la même méthode, des médicaments soigneusement pilés et mélangés à de la boisson et de la nourriture. Et on a appris, au moment de son procès, qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Toute jeune fille, elle aurait tenté d'ébouillanter avec de l'huile l'un de ses petits copains. Tout au long de cette affaire qui la verra condamnée à 30 ans de prison, Jamila Belkacem ne fera qu'alimenter ce portrait d'une femme venimeuse. Elle se montrera truqueuse, menteuse, mythomane, manipulatrice, bref, diabolique. C'est un personnage de roman, c'est effectivement quelqu'un qui rêve sa vie. Peut-être pas sorcellerie, mais en tout cas une forte influence ésotérique. En fonction de ses interlocuteurs, elle invente une série de scénarios avec une série de personnages. Je vois tout de suite au visage du président qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Est-ce que c'est vraiment le coup de théâtre qu'on attendait? Est-ce que Jamila Belkacem est vraiment innocente? Elle avait distribué des rôles aux uns et aux autres pour que tout ça fonctionne. Et qu'elle tire un petit peu les ficelles au centre d'une toile, quoi. Son machiavélisme est sans limite. On voit qu'elle a la capacité de tuer quelqu'un puisqu'elle va solliciter l'intervention de sa fille. Ce qui est frappant dans ce dossier, c'est l'absence totale de mobile. Pourquoi elle aurait-elle tué? L'histoire commence à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Le 26 février 99, les pompiers reçoivent l'appel angoissé d'une femme. Depuis quelques heures, dit-elle, son compagnon, qui habite un appartement du centre-ville, ne répond plus aux appels téléphoniques. Alors elle est inquiète. Il était 17h30 environ, c'était en fin de journée, il commençait à faire nuit. Nous arrivons au 6 rue et Madame Maillard, Myriam Maillard, se présente comme la personne nous ayant appelé. Car elle s'inquiète. Depuis le début de l'après-midi, elle essaye de joindre son amie. La première chose qu'on a fait, on lui a demandé les renseignements, savoir si elle savait vraiment si son amie était à l'intérieur. Elle semblait très 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 inquiète. Bon, a priori, ça ne lui ressemblait pas de ne pas répondre au téléphone. Et elle nous a donné ses précisions que depuis le début de l'après-midi, elle essayait de le joindre, hein, et elle ne donnait pas signe de vie. L'homme s'appelle Jacques. Et il ne répond pas davantage aux appels des pompiers. Alors il décide de forcer la serrure, d'autant qu'à travers la porte, il sent une odeur de brûlé. On a forcé la porte avec le pied de biche, on a poussé la porte, on a vu qu'il y avait plein de suie partout, c'était tout noir. Et avec nos lampes torches, on a fait une reconnaissance. Ça ressemble à quelque chose de très lugubre. La seule lueur qui pénétrait à l'intérieur de l'appartement, c'était le peu de jour, de pénombre extérieur qui rentrait par les volets. Il y avait au bout du couloir un salon, au fond duquel on arrivait à distinguer cette porte entrouverte qui donnait à l'intérieur de la chambre. Mon collègue est passé en premier pour éclairer la chambre. Lui, il éclairait à hauteur d'homme, moi j'éclairais au niveau du sol. Et c'est là que je fais remarquer la présence d'un corps carbonisé qui gisait au niveau du sol, en fait qui gisait et qui reposait sur un matelas, même le sol. Le feu semble s'être déclaré dans la chambre. L'incendie n'a laissé aucune chance à la victime. Myriam Maillard, la compagne, est restée en bas, dans la rue. Lorsqu'elle nous a vu ressortir de l'appartement, de toute façon, elle avait bien compris qu'il s'était passé quelque chose. Alors, on lui a fait comprendre que son ami, à l'intérieur de l'appartement, était décédé. C'est à ce moment-là qu'elle s'est vraiment effondrée en sanglots, quoi. On a compris que c'était un être cher pour elle, quoi. Elle pleurait. Elle était un peu effondrée, cette dame. On a essayé de la rassurer en attendant l'arrivée des autres collègues, quoi. Qu'est-ce qui a pu provoquer cet incendie? Myriam Maillard raconte aux policiers et aux pompiers qu'elle n'a pas vu son compagnon depuis plusieurs jours. Et elle ajoute un détail
important. Elle nous a donné des explications comme quoi il avait l'habitude, le soir, de lire en s'éclairant avec des bougies. Une bougie à proximité du lit. Pour la police et les secouristes, pas de doute, c'est ça qui a mis le feu. La mort de Jacques n'est qu'un accident. D'ailleurs, le médecin de garde le confirme et il délivre le soir même un certificat de décès et un permis d'inhumer. À ce moment-là, personne ne s'étonne de la présence sous le matelas de la victime de plusieurs boîtes de médicaments. Jacques, 50 ans, vétérinaire connu et estimé de Bourg-en-Bresse, est enterré quelques jours plus tard dans le sud de la France. À ses obsèques, il y a côte à côte son épouse, dont il vit séparé, et Myriam Maillard, sa dernière compagne, celle qui a alerté les pompiers. Maître Robert, vous êtes l'avocat de la famille de la victime. Comment est-ce que justement la famille réagit quand on lui dit « Jacques est mort d'une mort accidentelle » Elle le croit ? Immédiatement, c'est la thèse qui s'impose à eux. Et puis très rapidement, plusieurs semaines après, un certain nombre de nouveaux éléments vont intervenir et qui vont créer le doute dans l'esprit de la famille de Jacques. Et la bougie qui se renverse et qui met le feu, ça tient, quoi. Sur le, cette explication ne leur est pas suffisante, faut être clair là-dessus, puisque Jacques était quelqu'un qui était excessivement méticuleux sur la sécurité. C'était une personne qui faisait pratiquait le nautisme et qui avait la rigueur d'un marin, et notamment en matière de sécurité. Donc c'est vrai qu'ils vont quand même, non pas avoir un doute en disant il y a une origine criminelle, mais a-t-il changé à un tel point qu'il soit en mesure de se coucher, de dormir à côté d'une bougie qui est allumée alors qu'on ne l'a jamais connue sous cet angle-là. Alors que la disparition de Jacques semble une affaire classée, un expert en assurance va relancer l'enquête. 13 jours après le drame, Yves de Bertolis reçoit le dossier de l'incendie. Il est chargé d'évaluer les dégâts pour le compte de sa cliente, l'ex-épouse de Jacques. Mais dès l'examen du dossier, avant même de se déplacer, il a un doute. Très rapidement, j'ai vu que la version d'un accident à la bougie n'était pas possible. D'après les témoignages même de l'ami de la victime et de son épouse, la police n'avait pas voulu montrer le corps tellement il était calciné. Donc j'imaginais bien que l'état du corps, et c'était pas possible avec une simple bougie comme ça, sans accélérant, sans qu'il y ait eu un accélérant de combustion de mis volontairement. Un accélérant, autrement dit de l'essence. L'expert se rend sur place. Il examine minutieusement chaque pièce, et en premier lieu la chambre de Jacques, là où le feu s'est déclaré. Et là, ses doutes se confirment. J'ai découvert des brûlures importantes sur les plinthes avec des points de départ d'incendie en V, avec des traces très blanches sur les cloisons, ce qui est révélateur d'une température à plus de 1000 degrés. Ce qui le trouble, ce sont ces traces plus claires sur les murs de la chambre. Il y en a 4 au total, et ça, c'est le signe d'un incendie volontaire. Et c'est confirmé par les analyses réalisées sur les plinthes et le reste de matelas. Il y a bien des traces d'essence. Dans son rapport, l'expert est affirmatif. L'incendie est dû à la main de l'homme. Il s'agit soit d'un suicide, par immolation, soit d'un assassinat. Au même moment, et sans avoir été informé des conclusions de l'expert, la famille de Jacques, elle aussi, a un doute. Jacques n'a plus d'argent. Il a vidé tous ses comptes. Immédiatement vient une autre question. Est-ce que ce cadavre que l'on a enterré est bien celui de Jacques ? Ce sera la première question, à savoir est-ce que c'est bien lui ? Est-ce qu'il n'a pas organisé, pour une raison qu'on ignorerait d'ailleurs, mis en scène son décès et qu'il a disparu en réalité ? Des comptes vides, des traces d'essence, la famille de Jacques porte plainte. Son avocat saisit le procureur de la République de Bourg-en-Bresse. Une information judiciaire est donc ouverte.
Et deux jours plus tard, le juge ordonne une autopsie. Le corps est exhumé. On nous pose deux questions, c'est-à-dire premièrement l'identification de l'individu, savoir si celui qu'on va autopsier est bien celui qu'on a inhumé. Et la deuxième chose, c'est quelles sont les circonstances du décès. En premier lieu, le corps est formellement identifié grâce à la génétique. Il s'agit bien du corps de Jacques. Reste maintenant à répondre à cette question. Jacques est-il bien mort à cause de l'incendie de son appartement ? On va inspecter de façon fidèle la surface, du moins exploitable, ce qu'il en est exploitable de ce corps. A-t-il été perforé par une arme blanche ou par un projectile d'arme à feu ? A-t-il été, par exemple, attaché, ligoté, s'il n'avait pas été déplacé ? En l'espèce, il n'y avait rien d'incongru. Le corps n'a été ni déplacé, ni ligoté, et il ne porte aucune trace de blessure. Les légistes se concentrent alors sur la bouche et la trachée de la victime. Et là, surprise. À l'ouverture buccale, nous avions une bouche qui était particulièrement dépourvue de suie, qui était propre, alors que l'ensemble du visage était couvert d'une suie noirâtre et grasse. Donc, il y a une certitude, c'est qu'au moment où le feu s'est déclenché et au moment où la fumée a envahi le lieu de découverte, il ne respirait pas. Il ne respirait déjà plus. Jacques ne respirait déjà plus, ce qui veut dire qu'il est mort avant l'incendie. Les experts poursuivent leur tâche. Ils analysent le sang, la bile et le contenu de l'estomac de la victime. Résultat, Jacques a absorbé des médicaments. Les premières recherches ont mis en évidence, dans les prélèvements de la victime, des traces, même des quantités assez importantes de benzodiazépines. Ce sont soit des hypnotiques, des anxiolytiques, des myorelaxants. Les experts déterminent que Jacques a pris ses médicaments, comprimé après comprimé, pendant au moins 4 mois et demi. Mais ils ont aussi repéré une autre molécule dans le sang de la victime. La doxépine, c'est un composant d'antidépresseur. Et cette molécule est présente à des concentrations inquiétante. Cette molécule se retrouvait dans le sang à des concentrations toxiques. Donc ça, c'était effectivement un élément très important. Qui dit tout toxique, dit effectivement possibilité de coma et possibilité de coma profond allant jusqu'à la mort. Les experts sont clairs. Le décès de Jacques est tout à fait compatible avec une intoxication médicamenteuse. Bref, Jacques a sans doute été empoisonné. C'est à ce moment-là, Dominique, que l'épouse de la victime, sa femme, son épouse légitime, reçoit une lettre anonyme. Et cette lettre est vraiment étrange. Cette lettre, elle est ici. C'est une lettre étrange. Alors, c'est une lettre qui a été écrite, rédigée et imprimée à partir d'un ordinateur. Mmh. Hein. Elle arrive le 22 mars chez l'épouse du vétérinaire, c'est-à-dire un mois à peu près après la découverte du corps de son mari, 26 février. Et cette lettre est écrite par une femme qui prétend être la maîtresse du vétérinaire. Elle aussi ? Elle aussi. Alors ça fait beaucoup de monde. La femme du vétérinaire, dont il est séparé, une maîtresse, Myriam Maillard, maîtresse officielle, et il y en aurait donc une autre. Et qui dit quoi ? Alors, cette autre maîtresse, elle met hors de cause Myriam Maillard dans les histoires d'argent. Hein ? Le vétérinaire a été tué il y a un mois, les gendarmes savent déjà que tous ses comptes en banque ont été vidés. Mmh. Et l'auteur de cette lettre dit à la femme du vétérinaire, elle essaie de mettre hors de cause Myriam Maillard, « Je vous écris, c'est pour vous demander de ne pas accuser Myriam pour l'argent. Je vous conjure, madame, de ne pas embêter cette fille, elle ne le mérite pas, je sais que vous ne l'aimez pas, mais pitié pour cette innocente. » Et au fond, ça a l'effet inverse. Ça a l'effet complètement inverse. Au lieu d'éloigner les enquêteurs de Myriam Maillard, eh bien ça va énerver les enquêteurs, ça va attirer, attiser leur curiosité. Et maintenant, ils l'ont dans leur ligne de mire et ils vont plus la lâcher. Myriam Maillard a décidément un comportement bizarre. D'autant qu'elle va jusqu'à téléphoner à l'expert en incendie. Elle lui explique qu'elle a appris la découverte de traces d'essence et elle voudrait en savoir un petit peu plus. J'ai tout de suite eu la conviction qu'elle voulait me convaincre
que les fameux accélérants retrouvés, ça pouvait être les matières synthétiques des couvertures ou du matelas. Enfin, je lui dis, c'est pas possible. Il y a eu des analyses chimiques et que c'était pas possible. Autrement dit, Myriam Maillard tente de convaincre l'expert qu'il s'agit d'un incendie accidentel. Elle est revenue sur la version de la bougie en disant qu'il avait l'habitude de s'éclairer avec une bougie. Elle a insisté là-dessus. Ça a été ça surtout. Elle voulait être tenue informée. Elle m'avait donné son numéro de portable. Elle voulait être tenue informée de ma position définitive, de savoir comment ça allait se passer. Et bien entendu, il était hors de question que je rappelle cette personne. Alors les gendarmes se déplacent au domicile de Myriam Maillard dans cet immeuble de Villefranche-sur-Saône pour l'interroger sur ses relations avec Jacques. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. À l'adresse où vivait Myriam Maillard, il n'y avait pas de Myriam Maillard. Il y avait un Maillard René et Maillard Jamila, mais il n'y avait pas de Myriam Maillard. Là, on a la certitude qu'elle n'est pas celle sous l'identité à laquelle elle s'est présentée au service de police. Le soir de la découverte du cadavre de Jacques, on progresse dans un faisceau d'éléments qui nous conduisent à penser que cette personne ne serait peut-être pas étrangère totalement au décès de Jacques. Myriam Maillard n'existe pas. Celle qui avait appelé les pompiers le soir du drame s'appelle en fait Jamila Belkacem. Elle a été mariée à un certain René Maillard. Elle a 4 enfants, dont une fille qui s'appelle Myriam. Tout ça, Jacques ne le savait pas. Et cette découverte ne fait que renforcer les doutes qui pèsent sur elle. Avec l'arrivée de tous ces éléments, les amis de la victime, qui sont aussi ceux de l'épouse, tout le monde va commencer à s'interroger et à confronter leurs éléments sur cette personne. Ah ben moi, elle m'avait dit qu'elle était à cet endroit-là. Ah mais non, mais elle n'y était pas. En fonction de ses interlocuteurs, elle invente une série de scénarios avec une série de personnages et avec cette double identité de Myriam Jamila, où on a l'impression qu'elle veut cacher sa vraie identité derrière une sorte de rideau comme ça, une sorte de galerie de portraits. Elle est infirmière. Elle a passé des études scientifiques de très haut niveau en physique ou en biologie. Elle est également pilote de ligne. Enfin, elle est véritablement mais un personnage insaisissable. Maître Buffard, vous êtes l'un des avocats de Jamila Belkacem. Parlez-nous d'elle, d'où vient-elle, qui est-elle? C'est une jeune femme assez énigmatique, parce que finalement, on ne sait d'où elle vient et qui elle est qu'à travers ce qu'elle en dit, car on a finalement assez peu d'éléments sur elle. Alors, elle vient du Maroc, elle vient d'une famille agricole. Elle a quitté le Maroc assez jeune, après ses études secondaires, parce que, dit-elle, elle voulait les poursuivre, elle voulait poursuivre des études universitaires en France. Et en tout état de cause, elle travaille comme aide-soignante. Et non comme infirmière, comme elle le dit parfois. En tout cas, elle s'occupe de malades. Elle a quand même 4 enfants, elle est mère de famille. Ça, c'est certain. Elle est mère de famille et ça, elle le dit. Elle dit qu'elle a voulu ce rôle d'épouse, de mère, qu'elle a recherché quelqu'un pour vivre une vie de femme et une vie de mère. Et on sent que ses enfants ont été effectivement quelque chose de très important pour elle jusqu'au bout. C'est le centre de sa vie. Le reste, on a l'impression que si elle a eu des aventures ou même si elle a eu un mari, le reste était relativement anecdotique par rapport à ses enfants. Elle a eu des aventures, hein. C'est une croqueuse d'hommes. Elle a eu des aventures, là aussi, ce sont des aventures souvent qui durent peu, ce sont des personnages assez falots. On a l'impression que les hommes n'ont pas finalement une si grande importance que ça dans sa vie. Quand, par exemple, elle fréquente Jacques, est-ce qu'elle ne le fait pas par un désir d'ascension sociale? On sent que cette femme veut s'extraire de sa condition d'immigrée. C'est sûr que lorsqu'elle rencontre Jacques,
Elle rencontre cette fois un homme qui a une autre stature que tous ceux qu'elle a connus précédemment, à la fois au niveau de la personnalité, à la fois au niveau de son statut social. Et effectivement, on a le sentiment que là, elle a le sentiment, elle, qu'elle se réalise. Étrange personnage, décidément. Et ça n'est pas fini. Les gendarmes se plongent dans les comptes bancaires de Jacques. Et ils découvrent qu'à coup de virements et de chèques, 500 000 francs, 75 000 euros ont été siphonnés vers les comptes de Djamila. C'en est trop. Djamila est placée en garde à vue à la gendarmerie de Bourg-en-Bresse. Soyons clairs, à ce stade de l'enquête, Djamila Belkacem, qui est toujours en garde à vue chez les gendarmes, est clairement soupçonnée par tout le monde d'avoir assassiné Jacques, son amant. D'abord parce qu'elle a attiré l'attention sur elle en harcelant au téléphone l'expert en incendie. Ensuite parce qu'elle a falsifié son identité en se faisant appeler Myriam Maillard. Et puis surtout parce qu'on a retrouvé la trace de l'argent de Jacques, celui qu'il mettait de côté pour acheter son bateau, sur le compte en banque de Djamila. Djamila, suspect numéro 1. Certes, mais qui se dit innocente. Comme je dis, elle n'avait aucun intérêt à le tuer, prendre l'argent, puisqu'il voulait l'épouser. Je dirais que tout était à elle, il restait des biens, une maison notamment, enfin il y avait d'autres choses. Et au contraire, en le tuant, c'est la veuve qui a hérité. Enfin, je dirais qu'on est dans une situation où en disant le mobile c'est l'argent, elle va à l'encontre de ses intérêts. Face aux gendarmes, Djamila Belkacem reconnaît qu'elle a transféré de l'argent d'un compte à l'autre, mais dit-elle, ça s'est fait avec l'accord de Jacques. L'explication était très simple, c'était de dire, et ça a été relativement conforté, c'était de dire que Jacques, qui voulait entamer une procédure de divorce avec son épouse, voulait en réalité, sachant qu'il y aurait après une liquidation de communautés, une liquidation de biens, voulait effectivement, disons entre guillemets, mettre à l'abri certaines sommes d'argent pour que ça ne rentre pas dans la liquidation. On va retrouver des chèques à son ordre. Et sur ces chèques, c'est pas du tout la signature de Jacques, c'est la sienne. S'il l'a fait de son plein gré en consentement avec Djamila, on comprend pas pourquoi c'est pas lui qui signe les chèques. Alors elle aura cette phrase assez surréaliste. Jacques et moi, nous nous aimions tellement que lorsque l'on faisait les chèques, je signais avec ma signature, mais il me tenait la main. De toute façon, cet argent n'est plus sur les comptes de Djamila Belkacem. Les 504 000 francs se sont littéralement évaporés. Alors où est passé l'argent? L'ex-mari de Djamila, René, est interrogé à son tour par les gendarmes. Les gendarmes qui le soupçonnent clairement de complicité. Ça peut être le schéma suivant, un couple qui a repéré un pigeon, la femme qui sert d'appât, c'est l'histoire de l'appât, hein, version couple, marié, donc la femme qui sert d'appât, le mari qui joue un petit peu au tolérant ou qui ferme les yeux, et puis on capte un petit peu l'argent du pigeon, de la victime, quoi. René a-t-il participé à la disparition de Jacques? La question se pose d'autant plus que les deux hommes se connaissaient et se voyaient régulièrement. Drôle de trio, drôle de ménage à trois. Les gendarmes plongent alors dans un monde de double jeu, de mensonges, où Djamila cachait à René que Jacques était son amant. Pour René, c'est un collègue de travail de l'hôpital de son épouse, qui est gravement malade, qui est atteint d'une tumeur au cerveau et qui va, donc pronostic vital, fait qu'il va décéder dans les semaines à venir. Et Djamila, qui est le bon samaritain, est là pour s'en occuper parce que sa famille l'a rejeté et personne ne veut s'occuper de lui, donc c'est elle qui s'en occupe. A l'inverse, Djamila fait croire à Jacques que son ex-mari est en fait son demi-frère. Et les deux hommes avalent sans rechigner les mensonges de la jeune femme. Un exemple parmi d'autres. Djamila raconte à Jacques que ses quatre enfants sont en fait ses neveux et ses nièces. Et ça marche.
Lorsqu'on lui pose la question, mais pourquoi les enfants vous appellent maman, bien, elle répondra à Jacques, c'est parce que comme leur mère est gravement malade, se trouvait en permanence à l'hôpital, c'est elle qui s'occupe d'eux depuis des années, et donc ils l'appellent maman. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle avait distribué des rôles aux uns et aux autres pour que tout ça fonctionne, et qu'elle tire un petit peu les ficelles au centre d'une toile, quoi. Pour ça qu'on... Maman, bon, c'est toujours la métaphore journalistique facile, mais le côté mente religieuse, je pense, fonctionne quand même de ce point de vue-là, où on a un personnage qui arrive à gérer les relations entre les uns et les autres. Elle manipulait pas, mais elle se servait de ces deux hommes, tout en sachant très bien où était son intérêt. Son intérêt, c'était Jacques. Mais René Maillard lui rendait des services, peut-être qu'elle, c'était le père de ses enfants malgré tout, qu'elle est très attachée à ses enfants. Donc voilà, ce sont des liens affectifs avec un fond de sûrement de plaisir parce qu'elle avait de l'ascendant sur ces deux hommes. Je voudrais maintenant qu'on essaye de résumer ce que vous avez compris, vous, des relations... entre Djamila et ces deux hommes, drôle de couple à trois, au fond. Hein, deux hommes, une femme. Oui, et puis surtout deux hommes qui sont également totalement différents. Vous avez d'un côté un homme qui est relativement simple, qui a un niveau d'instruction, je dirais, faible. De l'autre, vous avez donc la victime, Jacques, qui est un homme avec un niveau d'instruction élevé, qui avait un certain nombre de certitudes, qui était très croyant. Et les relations de ce couple, ça va être un peu... vous avez le mari qui... je dirais, absorbe tout ce que peut lui dire Djamila maintenant, et un autre homme dont on ne peut pas s'attendre à ce qu'il puisse croire tout ce qu'on a pu lui raconter comme histoire, mais véritablement abracadabrante, rocambolesque, mais qui va être complètement sidéré par cette femme, qui va, je dirais, qui va être interrogée par son comportement, par sa façon de se comporter vis-à-vis de lui. Elle disparaît, elle réapparaît, elle a une histoire pas simple, il va tout à la fois la prendre en pitié et également être subjugué et interrogé par cette personnalité qui est hors du commun. Et aveuglé, manifestement. Et aveuglé. Alors c'est un ménage à trois ? Un vrai ménage à trois ? Non, ce n'est pas un ménage à trois, parce que les deux ignorent réellement ce qu'ils sont vis-à-vis de Djamila. C'est par calcul qu'elle ment comme ça ou elle est profondément perverse? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que non seulement il y a une bonne dose de perversion, mais elle est rentrée aussi dans une phase de manipulation dans laquelle elle ne peut plus sortir. Hein. À la fin de la garde à vue, le juge d'instruction, sans doute effaré par la perversité du personnage qu'il a en face de lui, pense qu'il tient l'assassin de Jacques. Et il met Djamila en examen pour assassinat et l'envoie derrière les barreaux. Pour ce qui est du mari de Djamila, René Maillard, la conviction du juge n'est pas encore fixée. Il n'écarte pas néanmoins l'idée qu'il puisse être complice du crime. On sent très bien que l'univers de ce dossier est un univers clos, que tout se passe entre... ces trois personnes, Jacques, son mari et elle. Bon, on ne peut pas aller au-delà. Mais je me rends compte très vite que finalement, celui qui peut être dérangé par tout cela, c'est son ex-mari. C'est vrai que quand on regarde cette vie de couple à trois, où tout le monde est à table ensemble, vous avez un René qui s'en va le soir et un Jacques qui reste au domicile avec son épouse, légitimement se demander si la naïveté a quand même pas quelques limites. Et si René Maillard avait été jaloux de Jacques? S'il en avait eu assez du rôle que Djamila lui faisait jouer? On a l'impression qu'il est un peu pris comme, je dirais, la nounou. Il garde les enfants quand Jacques et Djamila partent ou en vacances. Il est là, mais un degré inférieur, je dirais qu'il est présent, mais on le met en même temps un peu de côté. Donc,
Je me suis même demandé à un moment donné si justement il n'avait pas ressenti un sentiment, je dirais, pas de vengeance, mais d'humiliation. Dès le lendemain de la mise en examen du couple Maillard-Belkacem, les gendarmes font une perquisition à leur domicile de Villefranche-sur-Saône. Dans la cave, ils saisissent un ordinateur portable, un ordinateur qui appartenait à Jacques, mais que la famille Maillard utilisait également. Dans la mémoire, il y a des lettres de Jacques et puis son agenda. Jacques y notait scrupuleusement tout son emploi du temps. Les gendarmes remarquent que les mois précédant son décès, il était constamment en arrêt maladie, semble-t-il pour dépression. Et René le confirme lors des auditions, Jacques était fatigué et agressif. Il semblait hypnotisé par sa compagne. Jacques revenait de chez elle, il n'était pas dans son état normal. Ses amis me racontaient ça vraiment comme ils l'avaient vécu. Hein. Il rentrait de chez elle, il était un peu comme liquéfié, comme s'il planait, puis il tenait toutes sortes de propos. Il est clair, effectivement, qu'il ne pouvait plus se détacher d'elle et que ce qu'elle disait ou ce qu'elle demandait, il avait une tendance naturelle à dire oui, à accepter. À accepter un peu tout. Jacques était fou amoureux de Jamila. Tout au long de leur relation, il y a écrit des dizaines de poèmes sur son ordinateur, tous dédiés à celle qu'il appelle son soleil d'Éden. Quand j'ai retrouvé le temps, j'ai vu la courbe de tes cils et l'eau claire de tes yeux et les collines de ton corps. Plus on va avancer dans le temps, et plus son emprise sur lui va être forte. Et Jacques à ce moment-là, il y a des périodes de perte de mémoire, où il ne sait plus ce qu'il a fait de sa journée. Il est allongé, il ne supporte plus grand-chose d'ailleurs. Ceux qui vont essayer de rentrer en contact avec lui vont avoir les pires difficultés. Personne n'arrive à le joindre. Et quand quelqu'un arrive à le joindre, qui je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été pendant 2 jours, je ne sais plus ce que j'ai fait, j'ai un blanc. Dans une lettre envoyée à une parente, Jacques écrit les mots suivants. C'est par hasard que j'ai découvert il y a quelques jours votre lettre datée du 21 janvier. Je l'ai sans doute lue, elle était ouverte, mais je n'ai pas réagi. J'étais un peu dans le brouillard, il y a des jours où je ne suis pas bien clair. Depuis qu'il fréquente Jamila, Jacques s'isole de plus en plus et ne voit quasiment plus personne. Le seul projet qui l'enthousiasme, c'est de quitter la France pour réaliser son rêve de toujours, s'acheter un bateau et faire le tour du monde avec Jamila. Pour acheter ce bateau, il a fait des économies, environ 500 000 francs, la somme qui a disparu de ses comptes. Il est en phase d'acquisition de son bateau pour faire son tour du monde. Hein. Les recherches sont amplifiées. Il a pris des contacts avec un certain nombre, soit de sociétés spécialisées dans la vente de bateaux d'occasion, soit avec des personnes privées qui vendent leurs bateaux. Il a fait aussi des déplacements pour en visiter. Son argent, il en a un besoin impératif. Jamila l'accompagne pendant toutes ses visites de bateaux. Et d'ailleurs, elle n'est pas vraiment emballée par le projet. Elle était clairement pas motivée. J'ai eu le sentiment qu'elle suivait pour lui faire plaisir, mais c'était vraiment son projet à lui. Il essayait de l'intéresser, de lui montrer des choses à droite à gauche, et elle faisait pas très attention. Elle était un peu assez effacée. Elle semblait pas véritablement s'intéresser au bateau. Elle posait pas de questions. C'est quelqu'un que j'ai eu du mal à avoir dans les yeux. Jacques était, déjà décidé depuis longtemps à faire ce genre d'expérience. La personne qui l'accompagnait, visiblement, n'avait pas échafaudé les projets de voyage de la même façon. Qu'importe, Jacques a un coup de cœur pour un catamaran. Il est sur le point de l'acheter. Nous sommes le 6 février 99, 3 semaines avant la découverte de son corps. Jacques était content de sa visite, d'avoir vu ce bateau et du contact qu'on avait eu, qui avait été effectivement agréable.
Il me dit que au plus tard dans 15 jours, il me rappelle pour me donner sa position. Donc voilà, on se dit au revoir et on se promet de se tenir au courant. Et là, plus de nouvelles de lui après. Plus de nouvelles, car 15 jours après, Jacques était peut-être déjà mort. Les légistes, en effet, n'ont pas pu déterminer la date exacte de son décès. La seule chose qu'ils ont pu dire, c'est qu'il avait été tué entre le 19 et le 26 février. Où était Djamila Belkacem à cette période? Les gendarmes reconstituent l'emploi du temps du trio. Le 15 février, Jacques et Djamila louent une voiture pour un voyage qu'ils ont prévu de faire en Angleterre. Mais le lendemain, Jacques est étrangement malade. Il ne se sent pas bien, il somnole. Décidément, en ce moment, la santé de Jacques se dégrade. Le voyage est reporté. Le 19 février, Jacques va mieux et il dîne avec René et Djamila. Jacques et Djamila passent ensuite une partie de la nuit ensemble, chez Jacques, à Bourg-en-Bresse. Que s'est-il passé ce soir-là? Une chose est sûre, à partir de ce soir-là, le 19, Jacques ne donne plus aucun signe de vie. Personne ne le voit, personne ne lui parle. Son téléphone sonne dans le vide. Et le lendemain, le 20 février, Djamila Belkacem part en Angleterre avec ses enfants, sans Jacques. 2500 km aller-retour pour 4 jours seulement. Comme si elle avait voulu se bâtir un alibi. Ce scénario renforce le soupçon. Et Djamila Belkacem est mise en examen pour assassinat. Elle est incarcérée à la prison Montluc de Lyon. L'instruction se termine. Djamila continue de jurer qu'elle est innocente et se lance dans une grève de la faim. Djamila Belkacem attend maintenant son procès, toujours incarcérée à Lyon, à la prison Montluc. Pour ce qui est de son mari, René Maillard, l'enquête du juge d'instruction n'a pas pu prouver qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'assassinat. Il a donc été mis hors de cause. Lorsque s'ouvre le procès, le 1er avril 2002, devant les assises de l'Ain, à Bourg-en-Bresse, il n'y a donc que Djamila Belkacem dans le box des accusés. Elle est toute en noir, elle a ses pâles de peau, donc il y a un contre-jour derrière, elle fait très digne. Tout le monde ouvre les yeux comme ça en disant « mais c'est incroyable ce qu'on lui reproche, elle a empoisonné son amant, elle a mis le feu à l'appartement, elle a menti sur son identité pendant des années, et on découvre ça, et tout le monde ouvre grand les yeux en fait. » Face à Djamila, sur le banc des témoins, il y a son ex-mari René, innocenté par l'instruction, mais toujours accusé par Djamila. C'est pas elle, c'est lui. La base de la défense de Djamila Belkacem, c'était moi j'ai rien fait, je l'ai aimé, mais bon, mon mari était jaloux, donc c'est lui qui a monté sa toute pièce. Mais le problème, c'est qu'on a vu arriver le mari, autant Djamila Belkacem était machiavélique, c'est le mot, rusé, autant elle avait anticipé tout ce qui pouvait lui arriver, même si ça tournait mal. Hein, c'est-à-dire, autant son mari, bon, on est désolé, quoi, c'est vraiment c'est de 1 à 20 sur l'échelle, quoi, donc c'est 1 pour lui et 20 pour elle. On a l'impression que ça fait 25 ans de toute façon qu'il a baissé les bras face à cette femme et que de toute façon, quand elle le charge, il répond pas. Quand elle l'accuse, il répond pas parce qu'il sait que ça sert à rien. René se tait. Vient le moment d'examiner les expertises réalisées sur l'ordinateur utilisé par le trio. En fouillant dans le disque dur, l'expert de la police a retrouvé la trace de fichiers que quelqu'un a soigneusement effacé dès le début de l'enquête. On va trouver des fausses ordonnances avec des prescriptions de théralène et autres neuroleptiques, antidépresseurs, miolastan, etc. Comment elle s'explique là-dessus, sur ces... Ah ben c'est pas elle. Ce n'est pas elle. Il demandera même à une des professeurs de la maison d'arrêt de faire une attestation comme quoi elle a commencé à apprendre à taper à l'ordinateur en maison d'arrêt lors de sa détention provisoire. Sauf qu'il y a eu un certain nombre de témoins qui sont venus dire mais Djamila, elle avait bien l'ordinateur chez elle. Elle nous a d'ailleurs donné des conseils pour l'utiliser lorsqu'on en a eu un chez nous. On l'a vu également devant l'ordinateur, etc. Djamila Belkacem nie.
Mais René vient expliquer qu'il a bien vu sa femme fabriquer de fausses ordonnances, que c'était dans ses habitudes et que d'ailleurs, un pharmacien l'avait dénoncé pour cela à la police. Sur ses ordonnances, Jamila a utilisé de faux noms, comme Zina Rifi ou René Meyer. Et quand on regarde en détail les ordonnances, les médicaments sont exactement les mêmes que ceux qui ont empoisonné Jacques à petit feu. Face aux témoins, face à la cour, Jamila Belkacem a réponse à tout. Elle discute chaque point du dossier, même mise devant les faits les plus évidents. Quand le président lui demandait quels étaient leurs projets de voyage ou de croisière, elle a manifesté là, cette fois, elle a été, on va dire, assez démonstrative. Et en me prenant à témoin en disant « Mais monsieur Brun, vous vous rappelez, on avait longuement visité les chambres, j'avais pris des mesures, elle est partie dans des détails et dans des délires qui n'existaient pas. » On a systématiquement, lorsqu'on démontre qu'un fait et une affirmation ne sont pas la réalité ou sont impossibles, ou que c'est le contraire qui s'est produit, et ben on a quelqu'un qui trouve toujours une nouvelle thèse et qui considère qu'on n'a pas bien transcrit ce qu'elle avait pu déclarer ou qu'on n'a pas compris carrément ce qu'elle avait pu déclarer. Il y a quelque chose d'inhumain, c'est-à-dire qu'on a l'impression que elle donne une réponse, on lui dit que c'est pas la bonne, elle en retrouve une deuxième, on lui dit que c'est pas possible, elle en donne une troisième, et on a l'impression qu'on pourrait en donner 10 comme ça continuerait, et elle bronche pas, elle n'a pas l'impression de s'enfoncer. Jusqu'au bout, elle se dit non, je suis innocente, et puis vous ne pourrez jamais prouver, vous n'aurez jamais mes aveux, donc je continuerai. Devant les assises, Jamila est chaque jour plus truqueuse, plus menteuse, plus mythomane. Ça devenait n'importe quoi. C'était, elle avait une enfance, sa mère était morte, je sais plus, devant ses yeux, dans une mare de sang. Elle avait été violée, elle avait été enlevée. Ensuite, elle était, c'était que des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle aurait pu s'inventer une vie, on aurait pu le croire. Personne n'aurait vraiment vérifié. Mais là, c'était toujours des histoires hallucinantes, quoi. On peut pas dire qu'elle est vraiment exagérée. Encore une fois, elle était aussi là pour se défendre. Et on peut quand même pas lui reprocher d'avoir voulu s'exprimer, de dire à la cour ce qu'elle avait envie de dire. Nous, notre rôle, c'était, dans les interruptions de séance, si vous voulez, d'essayer de lui redire ce qu'on avait dit avant l'audience, c'est-à-dire attention à ce que vous dites, méfiez-vous, répondez de façon précise aux questions qui vous sont posées, n'en rajoutez pas. Au-delà, on ne peut pas l'arrêter quand elle prend la parole. Après 3 jours de procès, on a déjà perçu une Jamila Belkacem très perverse, menteuse, manipulatrice, mythomane. Mais ça ne suffit pas à prouver qu'elle a tué son amant. Jusqu'à ce que le président appelle un témoin à la barre, un certain Georges, qui lui aussi a été quelques années auparavant l'amant de Jamila. C'était il y a 18 ans. À lui aussi, elle a menti. Et lui aussi, elle a cherché à l'escroquer. Elle pensait qu'elle était enceinte. Je ne sais pas si elle voulait faire croire que c'était de moi. Et alors elle m'a dit, tu ne pourrais pas me donner un chèque pour aller chez une gynécologue. Alors je lui ai dit, mais tu ne peux pas aller chez une de tes confrères puisque tu es dans la partie. Ah non, je ne veux pas que ça se sache. Alors j'ai mis la somme et j'ai mis à l'ordre du médecin, si vous voulez. Je n'ai pas fait un chèque en blanc. Quelques 10 jours après, elle m'a rendu mon chèque, tout en petits morceaux. Georges ne comprend pas. Il comprendra quelques jours plus tard en regardant ses relevés de compte bancaire. Si Jamila lui a rendu un chèque, c'est parce qu'elle s'en est fait un autre. Je prends le chéquier et là, il y avait un chèque qui avait été déchiré derrière, si vous voulez, pour pas que... comprenez, sur les derniers, dans les derniers, si vous voulez. Là, je réagis, je reprends un autre chéquier, pareil, un autre chèque. Les chéquiers qui ne me quittaient jamais ma poche. Hein. Donc, elle a dû profiter qu'elle a dormi chez moi. Hein. Elle a dit que c'est pour elle d'abord. Hein. Elle a d'abord dit que c'est pour elle. Mais je lui ai dit, regarde, j'ai les preuves. Je lui ai dit, regarde, le chèque de 3000 francs, il est passé à ta banque. On m'a dit que bénéficiaire
Jalmila, là j'ai eu son nom là, bénéficiaire Jalmila m'a dit, elle lui dit donc tu as imité ma signature. À l'époque, Georges est décidé à porter plainte, mais toujours fasciné semble-t-il par la mente religieuse, il lui accorde une dernière soirée en tête à tête. Pour la première fois, elle a voulu boire de l'alcool, elle s'est rassée une recette d'alcool et elle m'a servi pareil. Alors j'ai dit, ah tiens, tu bois de l'alcool? Alors j'ai dit, oh bah tiens, peut-être qu'elle veut s'étourdir un peu, comme demain matin, ça va pas être évident. Alors je dis, peut-être qu'elle veut s'étourdir. 2h du matin, oh là là, je suis réveillé en sursaut par un bruit, j'éclaire, et là, je la vois devant moi, une casserole par terre, visiblement, c'est de l'huile chaude, mais bouillante sûrement. Non, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mal à l'oreille, je vais mettre de l'huile dans le... Je me mets de l'huile dans l'oreille. De l'huile bouillante dans l'oreille. La vérité, c'est que ce soir-là, Jamila a sans doute tenté d'ébouillanter Georges. Au tribunal, j'ai dit, bon, ben, messieurs les jurés, jugez vous-même. Hein. Moi, je peux pas vous dire qu'elle a voulu m'assassiner. Hein. Je lui dis, mais j'ai pas de preuves. Hein. Si je ramassais l'huile sur le ventre... Ah, je sais pas où je serai aujourd'hui. Les jurés sont probablement très troublés par le témoignage de Georges et ils sont pas au bout de leur surprise puisque maintenant est appelé à la barre un témoin essentiel qui est l'expert en informatique qui a examiné le disque dur de l'ordinateur de Jacques, ordinateur qu'utilisait aussi Jamila. Quelles sont les conclusions de cet expert? Juste avant, on se souvient que c'est sur cet ordinateur qu'ont été écrites les fameuses ordonnances, les fausses ordonnances qu'utilisait Jamila Belkacem. Mmh. Mais l'expert, lui, va trouver dans le cœur de l'ordinateur, dans la mémoire de l'ordinateur, des fichiers qui n'ont pas été enregistrés. Quand on tape un texte sur un ordinateur, soit on l'enregistre, soit on l'imprime ou on l'enregistre pas. Mais il reste une trace dans l'ordinateur. Et là, cet expert du laboratoire de police scientifique de Marseille va trouver dans la mémoire de l'ordinateur la fameuse lettre, la lettre anonyme du 22 mars qui a été expédiée à la femme du vétérinaire. Mmh. Non seulement il va trouver cette lettre, mais il va aussi la dater, trouver le jour exact où elle a été écrite, 25 février 1999. C'est la veille de la découverte du corps du vétérinaire. C'est-à-dire que la personne qui a écrit cette lettre et qui écrit dans la lettre « Le 27, j'ai su la terrible nouvelle », à ce moment-là, c'est la seule personne à savoir que le vétérinaire est mort. Donc c'est probablement l'assassin. Mais qui avait donc accès à cet ordinateur qui appartenait à Jacques? Mais il n'était pas le seul à s'en servir. Non. Madame Maillard, Monsieur Maillard, les enfants Maillard. Alors on va vérifier, parce que l'expert va réussir à établir que le texte a été écrit à 14h16, le 25 février. Les enfants Maillard étaient à l'école, les enquêteurs vont vérifier, même s'il paraît peu probable que ce soit les enfants qui aient écrit cette lettre. Monsieur Maillard, lui, était à l'usine. La seule personne qui a pu utiliser l'ordinateur à 14h16, c'est... Jamila Belkacem. Jamila Belkacem. Et alors, c'est intéressant parce que cette lettre qui dit que Myriam Maillard n'a rien fait, eh bien, en fait, elle prouve que Jamila Belkacem, elle, a tout fait. Jusqu'à l'expertise de M. Coiffet, je me sentais, moi, dans ce procès, avec une porte ouverte pour aboutir à un acquittement. Après l'expertise, je ne me sentais plus qu'avec une interstice. C'était un gros changement. Après 6 journées d'audience, le procès est sur le point de s'achever. L'avocat général requiert la peine maximale, perpétuité. Les avocats de la défense, eux, fidèles à leur cliente, plaident l'acquittement. Dans la nuit, la cour rend son verdict. Jamila Belkacem est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il nous dit clairement, je fais appel. Ce à quoi je me rappelle avoir répondu, voilà, hein, n'allons pas aussi vite, réfléchissons d'abord. Et moi, effectivement, après, à la réflexion, j'étais effectivement partisan de ne rien faire. Je pensais qu'après tout, cette peine prononcée n'était peut-être pas aussi énorme qu'elle aurait pu l'être. Car l'avocat général demandait la perpétuité.
Donc 20 ans, c'était relativement un succès. Malgré les conseils de son avocat, Djamila décide de faire appel. Un an plus tard donc, deuxième procès, aux Assises de Lyon cette fois-ci, prévu pour durer 10 jours. Mais dès l'ouverture, coup de théâtre, en pleine audience, on amène une lettre au président de la cour d'assises. Il y a l'appariteur qui vient voir le président et qui lui donne un fax. Et je vois tout de suite au visage du président qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. On lit l'interrogation, un peu la suffocation. Enfin, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il est démuni. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Rebondissement incroyable. La lettre qui vient d'arriver à la cour d'assises est signée René Maillard. L'ex-mari de Djamila Belkacem s'accuse du meurtre de Jacques et innocente donc l'accusé. Et il ajoute qu'il va se suicider. Ça fait cinéma, quoi. Le jour du procès, le vrai coupable se dénonce et meurt. Enfin, je veux dire que c'est digne d'un scénario. C'est irréel, presque. Au président des assises, René Maillard a écrit: « Oui, monsieur, c'est moi qui a assassiné Jacques le 23 février 1999. J'ai sorti une arme, j'ai obligé Jacques à boire le whisky et les cachets, j'ai allumé la bougie en sorte que le feu prend une fois que je sors de la chambre. Je ne supporte pas la prison, je préfère me suicider libre que derrière les barreaux. » Signé Maillard, René. Ça ramène un doute, c'est indubitable, ça ramène un doute en se disant, mais ce René-là, dont on pensait qu'il était d'une très grande naïveté, il était à la limite du candide, peut-être bien caché son jeu, et finalement, c'est peut-être finalement bien lui. Je veux dire, c'est tellement extraordinaire que pour moi, ça peut être que la réalité, surtout que ça allait naïvement dans le sens que tout, enfin dans le sens du dossier où on voyait bien qu'il y avait des zones d'ombre autour de ce couple, et donc ça allait tout à fait, je dirais, dans une hypothèse qui pouvait être envisagée, même si elle n'avait pas été retenue. Le procureur de la République et maître Dubuis, l'ancien avocat de Djamila Belkacem, ont reçu la même lettre. Je suis coupable, Djamila est innocente. Le président de la cour d'assises décide alors d'envoyer immédiatement des gendarmes à la recherche de René Maillard. Et là, le président nous dit, nous avons retrouvé René Maillard qui est dans le coma à l'hôpital. Bon, on dit, le président dit, je vais envoyer des experts pour savoir si on peut l'entendre. Djamila va être, comme à son habitude, assez lisse, engoncée dans son manteau, les mains jointes devant, le visage vers le bas, mais il n'y a pas d'explosion de joie. Quand le juge va l'interroger, qu'est-ce que vous en pensez? C'est les larmes qui arrivent. Elle a quand même une certaine propension à la comédie. Et c'est je suis innocente, je l'ai toujours dit, je pense à mes enfants. Le procès est renvoyé. Un supplément d'information est ordonné. Les magistrats veulent savoir pourquoi René Maillard a fait des aveux si tardifs. Pendant 48 heures, l'ex-mari de Djamila Belkacem est dans le coma à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Les gendarmes et le juge d'instruction sont là, dans sa chambre, déterminés à obtenir ses explications. René Maillard leur en donne dès son réveil. René Maillard dit, mais moi j'ai jamais voulu me suicider. Jean Didier-Derry, vous êtes journaliste au Progrès et vous êtes donc dans la salle de la cour d'assises de Lyon, lorsque le président reçoit cette lettre
signé René Maillard. Comment ça se passe? C'est une histoire complètement incroyable. Imaginez-vous, on est dans la salle d'audience et on attend. On se regarde, on s'interpelle. Est-ce que c'est vraiment le coup de théâtre qu'on attendait? Est-ce que Djamila Belkacem est vraiment innocente, comme elle le clame depuis le début? Et 2 heures après, on apprend par fax que ce pauvre René Maillard est hospitalisé aux urgences de l'hôpital de Glézé, à côté de Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais, pour une tentative de suicide. Et ce sont ses enfants qui ont découvert le papa un peu vasouillard et qui donc ont appelé les pompiers. Et au réveil, contre toute attente, il dit « mais je ne suis jamais voulu me suicider et je n'ai pas écrit la lettre ». À qui il dit ça? Il le dit d'abord aux enquêteurs qui sont venus l'entendre. Nous, évidemment, on l'apprend. Qu'est-ce que je fais? J'attends que René Maillard émerge un peu des vapes de son coma et nous parvenons à le joindre. Je me présente, j'arrive à avoir son numéro de téléphone. Je le sens inquiet. Il me dit, vous êtes sûr? Enfin, il vérifie quand même mon identité, si je suis bien journaliste du Progrès. Je le sens aux abois. Et vous lui dites quoi? Je lui dis, est-ce que vous vous êtes suicidé? Et il me dit, très succinctement, parce que je sens un homme effrayé. Je sens un homme inquiet. Il me dit, je n'ai jamais écrit cette lettre. Je n'ai jamais tenté de me suicider. Et je ne comprends pas. Et je tenais à venir ce jour-là à cette audience. D'ailleurs, la journée même, il m'explique qu'il est allé avec son père chez le notaire régler quelques papiers, que le soir, il est rentré tranquillement, il s'est préparé un bol de riz, m'explique-t-il, et le soir, il a dîné avec un dessert préparé par sa fille, un flan au chocolat. Dans le cadre du supplément d'information, le juge nomme un expert en graphologie pour étudier la fameuse lettre d'aveu. Résultat, ça n'est probablement pas René Maillard qui a tapé cette lettre, car la signature en bas de page n'est pas la sienne. C'est une grossière imitation. Je me dis, si c'est pas lui, qui est-ce? Dans toutes les affaires judiciaires, je dirais qu'il y a toujours un intérêt immobile. Et là, qui a intérêt à troubler les pistes, c'est elle, c'est évident. Elle, autrement dit, Djamila Belkacem, ça lui ressemble. On sait quand même qu'elle a une certaine propension à faire des montages, à utiliser un petit peu les gens, à manipuler. Elle est accusée d'avoir écrit des lettres anonymes à un moment donné au début de l'affaire pour se disculper. C'est déjà un scénario qui a été dans l'air, donc les regards se tournent vers elle. D'autant que les expertises toxicologiques démontrent que René Maillard a été empoisonné avec un cocktail de médicaments. Tout accuse Djamila Belkacem. Seul petit problème, elle était en prison. Elle n'a donc pas pu, elle-même, empoisonner René. À la demande du juge, les gendarmes explorent alors une autre piste. Et si Djamila avait demandé à quelqu'un de la débarrasser de Maillard et d'écrire une fausse lettre? Quelqu'un? Et pourquoi pas sa propre fille? Elle est entendue tout de suite en garde à vue et je vais la voir en garde à vue à Villefranche. Elle me dit « ce n'est pas moi ». Et je lui dis « il y a un problème, madame, parce que votre fille qui a été entendue, puisque on a entendu différentes personnes, de votre entourage, votre fille dit que c'est elle qui a essayé d'empoisonner son père, mais à votre demande, et qu'elle a suivi vos indications et que vous l'avez aidé à faire cela. » Sa fille aînée, qui est alors mineure, elle a à peine 17 ans, s'accuse du crime. Elle dit avoir empoisonné son père sur ordre de sa mère. Logiquement, l'adolescente est immédiatement mise en examen pour tentative d'assassinat. Aux gendarmes, elle a raconté que tout a commencé à la prison lors d'un parloir. Djamila Belkacem aurait fourni le poison, fabriqué par ses soins, derrière les barreaux. Une mixture de médicaments à base d'antidépresseurs fournie par les médecins de la pénitentiaire. Djamila aurait alors ordonné à sa fille de mélanger le poison à un flan au chocolat, le dessert préféré de son père, ce qu'elle a fait. René Maillard en a mangé quelques bouchées, il est monté dans sa chambre et quelques minutes après, il est tombé dans le coma. Heureusement pour lui, bien que très friand de ce dessert-là, il ne va pas le terminer. Et je pense que c'est ça qui l'a sauvé, parce que le contenu du flan
rien que les quelques cuillerées qu'il a absorbées l'ont conduit à sombrer dans l'inconscience et en tout cas dans les premiers stades d'un coma. Jamila Belkacem est décidément machiavélique. Elle aurait convaincu sa fille que le coupable était son père et qu'il fallait le tuer pour l'innocenter. Il faut presque tuer l'un pour sauver l'autre. C'est ça son dilemme. Alors peut-être la mère a influencé la fille, mais c'est évident. Parce qu'une mère a de l'ascendant sur sa fille, mais je crois que la fille aime tellement sa mère qu'elle a adhéré sans trop de difficultés à cette thèse-là. On arrivait à demander à l'un de ses enfants de commettre un crime et de surcroît un parricide, on a un peu la confirmation des expertises psychiatriques qui avaient été faites sur cette personne, égocentrique, narcissique, il n'y a qu'elle qui compte, hein, faut être clair. L'autre est un peu quantité négligeable, y compris ses propres enfants. 8 mois plus tard, le supplément d'information est terminé. Le procès en appel peut reprendre. Décembre 2003, Jamila Belkacem revient devant la cour d'assises de Lyon, jugée pour le meurtre de Jacques. On la jugera plus tard pour la tentative d'assassinat de René. On retrouve les mêmes témoins qu'au premier procès. Georges, son ancien amant, Philippe Hébrard qui devait vendre son bateau à Jacques, et puis l'expert en informatique. Jamila, elle, continue de nier. Mais ce qui a changé, c'est la tentative d'assassinat sur René Maillard qui pèse lourd désormais sur les débats, d'autant qu'un nouveau témoin est appelé à la barre. Sa propre fille, qui arrive menottée puisqu'elle est en prison. Elle n'a pas revu sa mère depuis son arrestation. Elle ne la regardait pas. C'était une enfant qui était... Où on sentait que l'émotion et la tristesse étaient bien présentes, qui se tornait sur elle-même à cette barre. Et il y a un sentiment, je dirais, lourd dans la cour d'assises. On sent que cette fille souffre en déposant à la cuisse sa mère. En même temps, elle dit qu'elle a tenté de tuer son père. Non, je veux dire, vous imaginez... je dirais que ce sont des situations que l'on rencontre assez peu et qui sont pour des enfants, des adolescentes, invivables. La fille de Jamila raconte l'empoisonnement de son père. Elle explique qu'elle a agi à la demande de sa mère parce qu'elle était convaincue de son innocence. Et là, pour la première fois, Jamila vacille. Elle avoue, oui, c'est bien moi l'instigatrice de cette tentative d'assassinat. À ce moment-là, sa fille lui jette un regard noir. À l'issue de l'interrogatoire, lorsque le président de la cour d'assises du Rhône va lui demander ce que vous souhaitez voir votre maman et qu'on suspende un moment l'audience pour que vous puissiez vous entretenir avec elle, cet enfant qui était vraiment torturé à la barre, c'était assez poignant, va dire non. Il lui propose et la fille dit non, je ne veux pas voir ma mère. Et les deux se sont mis à pleurer. Vous imaginez le climat, c'est douloureux. Voilà, ça a été très douloureux. Sa mère va l'interpeller directement, hein. Elle va l'interpeller, s'il te plaît, ne me fais pas ça, et elle va s'effondrer en pleurs. Elle s'est effondrée parce que je crois que, ce qu'on disait, elle aime de façon démesurée sa fille. Donc elle sent qu'elle perd un peu sa fille. Je ne sais pas comment sera l'avenir, on ne le sait jamais. Mais tout au moins, dans l'instant, elle perdait sa fille. Maître Robert, l'avocat de la famille de Jacques, tente alors de profiter de ce moment de flottement pour faire craquer Jamila. Je pense que cette fois-ci, peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années, cette femme avait été elle-même et en tout cas a montré ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Je me suis dit tactiquement, il faut vite qu'on rentre dans le vif du débat pour profiter éventuellement de ce moment réel de faiblesse.
où le masque est effectivement tombé. Elle va vite reprendre le dessus parce que il faut redevenir le personnage. Mais Jamila Belkacem a repris le dessus. Elle nie même l'évidence. Elle a réponse à tout. Alors, Maître Buffard, qu'est-ce qu'on peut plaider pour défendre une femme qui manifestement a tué un homme et qui vient d'avouer que, par ailleurs, elle a tenté de faire assassiner son mari par sa propre fille? On sait qu'elle a tenté de faire assassiner son mari par sa propre fille. Mais on n'est pas sûr que ce soit elle qui ait tué cet homme. Là-dessus, il y a effectivement un certain nombre d'éléments. Mais comme dans beaucoup d'affaires, on est en présence d'une vision un petit peu manichéenne du dossier. On a le sentiment qu'à un moment donné, les enquêteurs ont privilégié cette enquête et n'ont eu qu'une préoccupation, c'était de faire cadrer leur enquête avec cette conviction. Donc vous plaidez, au fond, le manque de preuves. Le manque de preuves et l'absence de mobile. Elle avait quelqu'un qui l'aimait, qu'elle aimait, qui la faisait bien vivre, qui lui donnait de l'argent, qui affirmait partout qu'il voulait vivre avec elle. Pourquoi le tuer? Le verdict, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Et moi, je me souviens que son avocat, après le premier procès, lui avait dit « Vous avez pris 20 ans, restez-en là. Il ne serait pas raisonnable d'aller en appel, vous risquez de prendre plus. » Il a bien raison, hein. Vous savez, lorsque vous défendez quelqu'un qui affirme son innocence, il est difficile de lui dire « Vous avez pris 20 ans, vous vous en êtes très bien tiré ». Par ailleurs, soyons clairs, le deuxième procès, le procès devant la cour d'appel, a été pollué par la tentative d'assassinat qu'elle a tenté de faire perpétrer par sa fille sur son ex-mari. Il est évident qu'à partir du moment où on se retrouvait devant une cour d'assises avec cette accusation-là, cette accusation terrible, cette accusation qui pesait très lourd, la première affaire devenait, je ne dirais pas anecdotique, mais ce qui s'était passé là, pour l'accusation, mais aussi pour les jurés, risquait d'être un aveu de culpabilité. C'est-à-dire que vous pensez qu'au fond, 30 ans, c'est la somme de sa possible culpabilité dans la première affaire et de sa totale culpabilité dans la seconde? Indiscutablement. Je pense que dans ce procès-là, on lui a fait payer l'ensemble de son œuvre. Maître Collard, c'est vous qui allez défendre Jamila Belkacem aux côtés de sa fille sur le banc des accusés, jugée pour la tentative de meurtre sur René Maillard. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce dossier? Elle a été condamnée deux fois. Deux fois, oui. Il y a une question de principe. Elle se dit innocente. Alors, on peut, compte tenu du poids très, très pesant de son passé, se dire qu'elle est gonflée d'aller prétendre qu'elle est innocente, mais sait-on jamais? Sait-on jamais? Est-ce que on est sûr que dans cette histoire compliquée, ensorcelée, il n'y a pas des éléments qu'on n'est pas allé chercher? Est-ce qu'on a dénoué tous les nœuds? Et même, est-ce qu'on est arrivé à dénouer les nœuds d'un inconscient aussi compliqué? Vous nous dites grosso modo que cette femme n'est pas accessible à la justice. Je dis que on n'a pas cherché à déverrouiller son inconscient pour comprendre pourquoi elle a accompli ces faits pour lesquels elle a été condamnée. Est-ce qu'aujourd'hui, Jamila Belkacem vous demande d'accuser sa fille pour la disculper, elle? Non. 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 Elle est dans une démarche qui est un peu onirique, hein, quelque part, un peu imaginaire, hein. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que les psychiatres ne se soient pas plus préoccupés de son psychisme. Cette femme, elle est constamment dans l'impasse de ses crimes. Et on ne cherche pas à aller jusqu'au bout de l'impasse. On se contente de dire, elle a commis un premier crime, 2 et 2 font 4, voilà l'addition. On attend le procès des Belkacem, mère et fille, sans doute à l'automne prochain. Elles seront toutes les deux jugées par la cour d'assises des mineurs,
puisque la fille avait 17 ans au moment de la tentative de meurtre. Et qui dit cour d'assises des mineurs, dit huis clos complet, il n'y aura ni journaliste, ni public.